Notre émission, ça buzz, notre nouvelle émission dont on parlera de tout ce qui est en train de faire buzz sur la toile, sur le monde entier, dans tous les domaines de la vie. Je m'appelle Laure Seuge. Pour ceux qui veulent s'abonner ou bien peut-être se connecter à moi, je suis in sur Instagram, sur... Euh, si vous tapez Laure Seuge officielle ou sur ma page Facebook Laure Seuge, vous allez voir euh, beaucoup de choses. On va commencer à partager là-bas. Aujourd'hui, je vous viens euh, dans notre... Bonne, bonne buzz qui parle du monsieur Alassane Ouattara qui va se présenter encore pour la troisième fois, pour un troisième mandat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, le sondage est non. Pourquoi Parce que les Ivoiriens ne veulent plus. Ne veulent pas parce que le mois passé, je me rappelle, le monsieur avait dit que il ne va pas se prononcer. Il avait même choisi son dauphin. Mais comme... L'homme propose, et Dieu dispose. Dieu a, a disposé que les dauphins de M. Ouattara puissent mourir. Et je pense bien que il a été préparé pour prendre le relève du M. Ouattara. Et maintenant qu'il n'est plus là, Monsieur s'est décidé de se représenter. Bouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'il dit que la constitution lui permet, donc c'est légal pour lui de se représenter. Or, l'opposant Henri Conan Bédier, il ne veut pas. Il avait postulé et après, il a retiré sa postulation pour mettre Tiam Dijang. Pourquoi Parce qu'il s'était décidé de, 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 de donner, de remettre le pouvoir aux jeunes, enfin, de prendre le relève. Et c'était aussi. Le, la même décision que Messie Aoula, Hassan A, 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 A Ouattara Ave, avait euh, prônée, et aujourd'hui, il change. Il change. Maintenant, on doit réfléchir si c'est vraiment l'importance pour nous, ivoiriens, pour nous, de personnes qui habitent en Côte d'Ivoire, de marcher pour cela. Je ne sais pas. C'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. Henri connaît Conan Bedi, un homme de non-violence. Il demande au peuple ivoirien de garder son calme. En 2015, il dit J'ai sacrifié ma candidature pour laisser Ouattara Draman. Être président, en 2020, cela ne va pas être un problème de sacrifier à nouveau ma candidature pour le voir quitter la présidence en renonçant à un troisième mandat. Je ne sais pas ce que M. Henri veut dire par là. Mais il y a d'autres, d'autres Ivoiriens. Ils se nervent aussi, ils ont commencé déjà à faire le marche comme on a vu certaines photos à Yopougon. On a vu il euh, y a des marches qui commencent mais et qui commencent qui commencent encore pourquoi parce que les gens ne sont pas contents de ce que M. Ados se représente encore. Maintenant ma question est celle-ci. Qu'est-ce que le marche Qu'est-ce que la violence nous a apporté comme solution En 2015, tout le monde a pleuré pour la Côte d'Ivoire. C'est en 2015 en 2009, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment bon avec le date, tout le monde a pleuré pour la Côte d'Ivoire parce que on ne pouvait tout attendre sauf ce qui était arrivé à la Côte d'Ivoire, le violence. Pourquoi Parce que ce qui s'était passé. Sommes-nous encore prêts de perdre notre vie à cause de politiciens, je pense que ça doit être la question que beaucoup de nos frères et sœurs ivoiriens doivent se, se poser. Yes, le messie avait renoncé à sa troisième mandat et aujourd'hui il se reprononce encore parce que la personne qu'il avait préparée pour prendre le relève, ne plus. Si je dois je dois répondre par rapport à lui, je dirais que non. Yes. Yeah. C'est comme euh, là où il avait investi pour que une personne puisse prendre relève, la personne n'y est plus. Donc ce qu'il doit faire, c'est de se représenter encore une année et préparer son défunt afin qu'il puisse aller se reposer après son mandat. Mais l'opposition dit qu'il va le prendre. La présidence, est-ce que L'opposition est prête pour maintenir au moins les standards que la Côte d'Ivoire a maintenant. Parce qu'ils vont venir là inexpérimentés. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas trop, mais à ce que je sache, ils n'ont jamais occupé les postes, peut-être, de M. Ado. Ils n'ont jamais occupé le poste de M. Ahmed Bakayoko ou d'autres personnes dirigeants de la République. Et quand ils viennent, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voulons-nous répéter les erreurs que l'Angola a commises ou le Congolais ont commises? Ils n'ont plus voulu de Kabila. Soit disons que c'était lui qui était la base de problème. Mais aujourd'hui, l'opposition a pris le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Dans peu de mois, ils totaliseront deux ans. Ils n'ont rien fait. Pourquoi On ne leur blâme pas aussi parce que le pouvoir précédent en fait 18 ans. dont ils ont détruit le pays en la laissant à un, un niveau très bas. Et pour prendre relève du pays qui était dans le chaos, les ramener à un standing, ça va prendre beaucoup de temps. Et nous voyons comment Félix a sacrifié même son directeur de cabinet juste parce qu'il veut encore se représenter en 2023. M. Lorenzo en Angola, c'était aussi pareil. Il était le dauphin de M. Eduardo Santos. Aujourd'hui, il lui combat. Et maintenant, son gouvernement devient de plus en plus dur. La population n'arrive plus à s'en sortir. Il commence à pleurer de nouveau, M. Eduardo Santos. Pourquoi Parce qu'à son époque, au moins le standing de la vie était à un niveau. Et aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la manque de volonté de M. Lorenzo, mais c'est qu'ils ne connaissent pas le, 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 le système. Il n'a pas encore maîtrisé le système. Yes, nous voulons la démocratie. Nous voulons que quand euh, le président finisse son mandat, pour se quitter. Mais est-ce que l'Afrique est prête de changement de régime? À mon humble avis, je dirais non. Parce que nous le remarquons, à chaque fois, il y a de changement de régime. Tout change et ça change souvent à mal. En exception de l'Éthiopie ou peut-être d'autres pays qui, qui sont en train de, 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 de bien évoluer après les changements de leur ré régime. Je veux que vous voyez rien avant que tu puisses penser à sacrifier ta vie à te mettre dans une instabilité en plein 21e cycle, siècle de penser à ton futur, de penser à ta vie, de penser à ton demain, de penser à cela, de vraiment passer à cela. Yes, tu vas aller dans la rue. Il y aura des confrontations. Tu vas perdre ta vie. Je dirais pour rien. Yes, appelez-moi bête. Je dirais pour rien parce que ce qui se passe au sommet souvent on ne le maîtrise pas nous on est tout on est plus sur le buzz. qu'est ce qui sent qui dit quoi et puis on, 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 on parle de choses mais on se rend par compte que il y a plus que ça je sais que je veux vous énerver mais pour moi je dois être honnête avec vous et vous dire que Messie Ado sera président après le 31 octobre. Il faut s'attendre à cela et puis l'accepter. Le plus tôt qu'on va accepter cela, le plus tôt que ce serait meilleur pour nous. Si on refuse cela, on va nous se créer de, de, de combats bêtes. Qui va coûter nos vies et qui ne va rien changer. Messie Ado était là pendant neuf ans. Et je veux, je veux vous adresser ces bel poèmes que je viens de voir. Un interlocuteur qui a laissé sur, sur Facebook. Il dit quoi Tu seras responsable de tes actes, ivoiriens. Toi, jeune, tu n'es pas né pour seulement protester dans la rue. Toi qui t'édifies sur le réseau sociaux, dans le vidéo pour propager la haine, rappelle-toi que tu es hors du pays et que tes parents sont ici avec ceux que vous menacez. Toi, jeune ivoirien, pour l'amour de ton pays, n'est t'associe point à la violence. Toi qui appelles à l'insurrection, toi qui es souvent invité à placer des barricades sur la voie politique, toi qui brûle le pneu. Tu brilles notre bitume, notre bien public à tous. Je t'invite à tes yeux. C'est pour qui tu lites. C'est pour qui tu as détruit le matériel électoral. Toi qui déchires les listes électorales affichées. Toi qui déchires les affiches des campagnes électorales. Prends conscience. C'est pour qui tu brilles le pneu et détruis notre bien public. Et même ont du mal à se réconcilier. Leurs familles, pour la plupart, sont hors du pays. Ne t'associe pas à la violence. Si tu ne sors pas, tu auras gagné la lite du peuple. Le peuple, cette majorité silencieuse, soit de ce peuple qui s'est confié à Dieu. Qui Dieu est pour Oui, Dieu est pour le peuple. Le peuple non violent, car Dieu est paix et amour. Les jours de l'élection, sors et va voter, c'est tout. Tu votes et rentres chez toi et prie ton Seigneur. Reste chez toi. Dieu a déjà protégé la Côte d'Ivoire. Là, c'est un frère Abou Koulibaly, un citoyen responsable de, de la Côte d'Ivoire, qui a fait ses poèmes. Et l'autre a dit Nevant de présidence de, 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 de président Ado, c'est Nevant sa assassination d'opposants Nevant sa assassination de journalistes d'étudiants. De de chauffeurs, de barca de woro woro woro, de taxiconteurs, ne vont sans machette à l'université, sans déchets toxiques, charniers, complots, rébellions, sans massacre de population, sans délestage électrique, ne vont d'abdiction en eau potable, 9 ans de réhabilitation et de construction d'infrastructures sanitaires, 9 ans de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires, 9 ans de construction et de réhabilitation d'infrastructures économiques, 9 ans de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives et universitaires, universitaire plutôt. Le président Alassane Ouattara, e e ce 9 ans de chance, d'opportunité et de bénédiction pour la Côte d'Ivoire, et tous ses habitants. À un moment donné, on doit arrêter ces sentiments-là. On était ici, président Guado Guado, il est enfermé plus de dix ans. Il y a un moment de la vie, peuple, cher peuple ivoirien, nous devons penser pour nous-mêmes. Aimons-nous la paix ou le désordre voudrons nous évoluer ou réquiller Selon mon conseil, je dirais on a droit à évoluer. On n'a pas droit à réquiller. Et ça dépendrait de vous si au moins vous direz non à la violence. Le 31, vous allez aller voter. Et je vous dis celui qui va passer, ce monsieur président, ce n'est pas parce que je récite de l'argent celui. Mais je vous dis, oh, je vous dis. Je ne dois pas être un prophète ou une prophétesse pour vous dire, pour vous prédire des choses. Il sera encore élu président pour la troisième mandat. Il faut se préparer à ça. Prenez les glaçons et mettez dans votre cœur et dormez. Dormez, oh, dormez, mon peuple. Dormez. Je vous aime bien. Euh, on va se retrouver encore dans cette émission sabeuse avec votre présentatrice animatrice. L la law surge, lore surge. Bisous, bye.